Le président Alain Pelletier, c'est le 10e anniversaire dans l'Anjouleur Challenge. Quand tu as créé cette course il y a 10 ans, on t'a pris pour un fou. Moi et les autres, parce que nous étions quand même plusieurs à avoir imaginé ça, notre ami Philippe Fouché en tête. Mais il est vrai qu'on pensait au départ que c'était un pari un petit peu risqué. Et bien des gens nous avaient promis que ça se terminerait par des accidents nombreux et variés. En définitive, ça s'est bien passé. On a même vu à l'époque un cheval recourir 3 semaines après. Donc le pari était gagné et régulièrement maintenant, les chevaux s'en remettent très bien. Et recourt très peu de temps après, donc il n'y a aucun problème. Le parcours du Lion d'Angers est sélectif, mais ce n'est pas un tue-chevaux, loin de là. Ah bah ça, je crois que c'est évident, mais surtout, c'est un attire-public aussi, non ? Voilà, je pense que le public a compris l'intérêt de cet événement et qui maintenant il est de plus en plus fidèle à cette course. Nous avons eu beaucoup de monde cet après-midi avec les animations qui étaient prévues sur l'hippodrome, mais il y a eu un flux, un pic terrible, une petite heure avant le début des opérations de rayon de course. D'accord. Donc ce qui prouve bien que les gens viennent aussi pour beaucoup d'entre eux, pour le spectacle très particulier, très intéressant, très sportif de l'Anjouleur Challenge Crystal Cup. Et à titre personnel, ça fait plaisir de voir les étrangers. Another Jewel en 2014, c'était quelque chose. Voir un Angevin gagner pour un gars du coin, pour des gars du coin comme nous, ça fait quoi ? Bah évidemment, il y a toujours un petit peu de chauvinisme. Mais en même temps, on est très heureux lorsque les étrangers se comportent bien parce qu'on a quand même quelque part compris que c'était une compétition internationale et qu'on avait donné grâce à cela du relief au cross-country en France. Exactement, cross-country qui devient une discipline mondiale. Merci Alain, bonne soirée, je crois que ça va falloir se reposer un petit peu.